nouveau sujet dans l'esprit, dans lequel l'esprit veut nous diriger ce matin. Mais un beau clin d'œil, vous allez voir dans ce qu'on va lire, pour un peu faire une transition entre le sujet dans lequel l'esprit nous tenait depuis quelques semaines, quelques messages, et pour aller vers autre chose que je m'attendais même pas moi-même, mais que j'ai bien aimé que l'esprit m'a présenté pour nous ce matin. Mais on va introduire dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, si on lit à partir du verset 8. Parabole que notre Seigneur amène à tout son auditoire, à tous ceux qui étaient là. On voit qu'il est dit, « Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, en passant les drachmes, c'est des pièces de monnaie de l'époque, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, disait le Seigneur, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. On va arrêter ici. Donc, on ne lira pas, mais si vous vous encourage à lire, si vous désirez, la parabole précédente, où le Seigneur apportait l'exemple d'une brebis qui était perdue. On a parlé de ça dernièrement dans les représentations de Jésus-Christ, je crois que c'est mercredi passé, où, entre autres, on a parlé que Jésus était représenté comme étant un berger. Et ça a été cité, on avait cité cet endroit-ci sans y aller, si ma mémoire est bonne. Mais brièvement, dans la première parabole, le Seigneur nous parle d'un troupeau et qu'il y en a une qui manque, il y a une brebis qui manque dans le troupeau. Et qu'est-ce que le Seigneur fait? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, ben, s'il manque une seule brebis, ben, le berger va aller la chercher. Il va laisser tout le troupeau-là qui est en sécurité pour aller chercher celle qui est en danger, celle qui est égarée, pour la ramener dans le troupeau, pour que le troupeau soit réuni. Et ensuite, le Seigneur donne l'autre parabole, celle qu'on a lue, de cette femme qui a 10 drachmes. Puis, 10 drachmes, c'était pas une grosse pièce de monnaie à l'époque, ça représentait pas grand-chose, 10 drachmes. Mais, donc, pour une personne qui était pas en moyen, ben, ces 10 drachmes-là, elle y tenait. Et là, elle en perd une. Et, vous savez, une pièce, ça peut rouler parfois. Elle en perd une, elle tombe par terre, roule quelque part. Et là, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, paniquée, elle veut pas la perdre. Elle allume une lampe, elle cherche avec soin, que la Bible nous dit, jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Et lorsqu'elle l'a trouvée, ben, elle se réjouit, puis elle appelle tout le monde alentour, puis elle dit, réjouissez-vous avec moi, j'ai trouvé la pièce de monnaie qui me manquait, celle que j'avais égarée. Et le Seigneur, dans ces deux paraboles-là, amène un et même point. Ces deux paraboles amènent un seul et même point. C'est comment? C'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu pour les âmes perdues. Le cœur de Dieu pour ceux qui ne le connaissent pas encore, ceux qui sont égarés. Et le Seigneur les compare à soit une brebis, soit une pièce de monnaie qui est égarée. Et le Seigneur est venu pour la chercher. Le Seigneur est venu pour chercher les âmes perdues et pour les ramener à lui, pour les trouver, les ramener à lui. Donc, ces paraboles nous montrent l'œuvre du Seigneur Jésus. Pourquoi le Seigneur Jésus venait ici-bas? Pourquoi qu'il a enduré tout ce qu'il a enduré et qu'il est mort et ressuscité pour nous? C'était pour nous trouver. C'était pour trouver tous ceux qui appartiennent à Dieu et qui sont perdus. Le Seigneur les retrouve et les ramène. Ça démontre à quel point on est précieux aux yeux de Dieu. Que peut-être que pour certaines personnes, ou pour un groupe, ou pour une majorité, ou peu importe, des fois on peut être moins important que d'autres. On peut se sentir moins précieux, moins important, mais aux yeux de Dieu, on ne peut pas ressentir cela. Parce qu'aux yeux de Dieu, on est tous précieux. On est tous précieux. Et comme on a conclu la parabole, pour une seule âme qui se repent, toutes les anges sont en liesse dans les cieux. Les anges sont dans la joie dans les cieux pour un seul pécheur qui se repent. Mais l'Esprit veut nous faire une transition ce matin. Et je ne m'y attendais pas moi-même, comme je vous disais. On va parler de l'outil que la femme s'est servie pour trouver sa drachme perdue. Qu'est-ce qu'elle a fait lorsque sa drachme était perdue? La Bible nous dit qu'elle a allumé une lampe. Elle a allumé une lampe et avec cette lampe, elle a cherché la drachme perdue. Et l'Esprit veut nous faire parcourir ce sujet ce matin qui peut nous sembler inusité, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire dans la parole. L'Esprit veut nous parler de la lampe ce matin. Mais premièrement, c'est quoi une lampe? Parce qu'il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. C'est quoi une lampe? Selon le dictionnaire, une lampe, c'est un ustensile fixe ou mobile, parce qu'il y en avait qui étaient fixes après une heure, ou mobile que tu pouvais transporter,
qui sert à l'éclairage, rempli d'un liquide combustible et muni d'une mèche. Donc, c'est la description du dictionnaire pour dire une lampe. Donc, à l'époque, une lampe, c'était un outil extrêmement pratique. De nos jours, on a l'électricité, ça peut nous sembler démodé, dépassé, ça l'est d'une certaine façon. Avec l'électricité, on a juste à toucher un interrupteur, soit tactile, soit on lève, peu importe, là, et on a de la lumière. Hein? Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. À l'époque, les lampes étaient extrêmement importantes. C'était un des outils principaux qu'il y avait dans la maison. Il pouvait en avoir plusieurs. Une personne pouvait avoir plusieurs lampes ou en avoir seulement une, mais il y en avait au moins une dans toutes les maisons minimum. Il pouvait en avoir plusieurs. Et elle servait à l'éclairage. Et elle était simplement confectionnée, mais très efficace, par exemple. C'était simple, mais efficace. Il y avait un réservoir. C'était en céramique la plupart du temps. Pour les maisons les plus pauvres, les gens de classe moyenne, c'était de la céramique qui était utilisée. Pour les plus riches, ça pouvait être un différent métal. Les rois, il y avait des chandeliers en or, il y avait des lampes en or, des lampes en argent, en airain, en bronze, etc. Mais pour la classe moyenne, c'était de la céramique. Il y avait une pincette qui tenait la mèche, puis il y avait un réservoir qui contenait le combustible. La plupart du temps, ça pouvait être de la graisse animale qui était recyclée pour ça. Et où ça pouvait être de l'huile, hein, l'huile d'olive. L'huile d'olive faisait un excellent combustible à l'époque. Et les Juifs en avaient en abondance parce qu'ils étaient cultivateurs d'oliviers, entre autres choses. Donc, et cette mèche s'imbibait, cette mèche pouvait être de fin lin retors, elle pouvait être de différents types de cordages, différents types de matériaux. Mais elle s'imbibait d'huile et quand on l'allumait, ben, le combustible faisait d'une part que la mèche ne brûlait pas d'un seul coup, mais elle brûlait lentement parce que le combustible ralentissait la combustion, mais aussi faisait qu'elle était plus grande. Donc, c'était une lumière qui était fixe qui était permanente pendant un certain temps. Tant que vous aviez de l'huile dans la lampe, bien, tant que la lampe pouvait rester allumée. Donc, c'était très utile à l'époque, les lampes. Et il y en avait beaucoup, et on voit que cette femme ici en a eu besoin pour trouver sa drague, mais elle en a eu besoin. Mais quand on regarde selon la parole et qu'on étudie ce sujet, on se rend compte que la lampe, elle a été représentative pour beaucoup de choses. La Bible en parle beaucoup de la lampe, c'est mentionné à bien des endroits, mais pas seulement en tant qu'objet. C'est mentionné beaucoup en tant que représentant des choses, et c'est là que ça vient, je trouve, très intéressant, les représentations que la Bible nous en fait de la lampe. À quoi? Qu'est-ce qu'elle représente, la lampe? On va aller voir ça. On va tourner premièrement dans Job, chapitre 29. Un peu comme une étude, on pourrait dire, que l'Esprit nous donne ce matin. Mais j'ai bien aimé le clin d'œil de la transition avec le sujet sur lequel l'Esprit nous a gardé, qui est le sujet le plus important, celui des âmes perdues. Mais l'Esprit nous fera faire une transition ce matin. Dans Job, chapitre 29, on va voir une première représentation de la lampe. C'est mentionné, comme je vous dis, à bien des endroits, mais pour représenter différentes choses. Dans Job, chapitre 29, on va lire du verset 1 au verset 6. Juste pour vous mettre dans le contexte, vous savez, pour ceux qui connaissent l'histoire de Job, qui est toujours une belle histoire à lire et à relire, un homme qui était fort riche, un homme qui était prospère, un homme qui était connu, qui était dans l'abondance, qui avait beaucoup d'enfants, etc., qui a une bonne position sociale, bien, tout d'un coup, cet homme-là perd tous ses biens, cet homme-là tombe malade, et là, ses amis qui étaient venus pour le consoler se mettent plutôt à le critiquer, se mettent plutôt à lui dire qu'il a sûrement péché pour que ça y arrive, puis qu'il fallait qu'il se repente. Sauf que Job, la Bible nous dit qu'il avait été un homme intègre et droit, pas parfait, mais c'était un homme intègre et droit qui craignait Dieu, et lui ne se sentait pas coupable de quelconque chose. Fait que le livre de Job, c'est un livre poétique, mais qui nous parle beaucoup de ce discours entre ses amis qu'il critique et lui qui se défend. Mais là, ici, on voit que dans Job 29, on va voir, Job parle de son état passé. Dans le fond, il s'ennuyait, puis c'est normal quand on est malade. Personne n'aime être malade. Mais voyons ce que Job dit. Job prit la parole, prit de nouveau la parole sous forme sentencieuse et dit « Oh que je ne puis, oh que ne puis-je être comme au jour, comme au mois passé, au jour où Dieu me gardait, quand sa lampe brillait sur ma tête. » Et on va revenir là-dessus. « Quand sa lampe brillait sur ma tête, et que sa lumière me guidait dans les ténèbres. Que ne suis-je comme au jour de ma vigueur, où Dieu veillait en ami sur ma tente, quand le Tout-Puissant était encore avec moi, et que mes enfants m'entouraient.
Quand mes pieds se baignaient dans la crème et que le rocher répandait près de moi des ruisseaux d'huile. On va arrêter ici. Donc, les derniers versets, c'est des images, bien sûr. Ça ne veut pas dire que Job, physiquement, se mettait toujours les pieds dans la crème. C'est des images pour démontrer l'abondance. Hein? Le ruissellement d'huile, on parle de l'huile d'olive, etc. Job était très prospère. Et c'est un peu ça que ça veut dire, les derniers versets. Mais qu'est-ce que Job dit? C'est intéressant. Job s'ennuie de sa position passée, parce que là, il est vraiment ailleurs, puis il souffre beaucoup, puis il a perdu ses amis. Et même sa femme s'est détournée de lui, c'est ce qu'on voit dans le début du livre. Ses enfants sont morts. Et Job, il dit, « Quand j'étais dans l'abondance, la lampe de Dieu brillait sur ma tête. » Et là, dans la position où il était, lui, il comparait ça comme si la lampe de Dieu au-dessus de lui s'était éteinte. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ici, dans ce que la lampe représente la bénédiction et l'abondance que Dieu peut donner. Et là, l'état de Job lui faisait sentir comme si la lampe de Dieu s'était éteinte au-dessus de lui. Il avait tout perdu. Il était devenu un homme qui était méprisé. C'est ce qu'il dit à un autre endroit. Il dit, on me regarde avec dédain, on me méprise. La lampe de Dieu s'est éteinte au-dessus de ma tête. C'est intéressant. On voit, faites juste écouter, que Job parle des méchants à un autre endroit. Je vais juste vous le citer, vous allez voir que ça va prendre un sens. Job parle des méchants, puis il ne comprend pas pourquoi que certaines personnes, sûrement qu'il voyait ou connaissait, qui étaient méchants, plus méchants que lui, autrement dit, qui ne connaissaient pas Dieu, qui ne servaient pas Dieu, mais eux, ils n'avaient pas de malheur. Ça ne leur arrivait pas. Ils ne comprenaient pas pourquoi. Et voici ce qu'il dit, faites juste écouter. Job parle des méchants et il dit, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? » Mais arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne? Là, il ne parlait pas de leur lampe physique. Arrive-t-il souvent que leur lampe s'éteigne, que la misère fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère, qu'ils soient comme la paille emportée par le vent ou comme la balle enlevée par le tourbillon? Voyez ça dans Job 21, ce que je vous ai lu. J'ai lu le verset 7 et j'ai sauté au verset 17 et verset 18. Donc, voyons-nous, Job fait ce même parallèle-là en parlant des méchants, mais il dit, est-ce que ça arrive aux autres que leur lampe s'éteigne, que la lampe de Dieu s'éteigne au-dessus d'eux? Autrement dit, Dieu permet qu'ils puissent vivre dans l'abondance pour certains, puis que tout aille bien, puis moi, qui est intègre, qui est droit, la lampe de Dieu, c'est comme éteinte au-dessus de moi. Puis là, maintenant, je suis dans la misère. Donc, Job utilise cette image pour démontrer son incompréhension. Si vous voulez lire pendant la semaine, à d'autres endroits, c'est mentionné ce parallèle-là de la lampe pour cette représentation-là. Si vous voulez prendre des notes, dans Job 18, c'est mentionné au verset 6. Dans les Proverbes, c'est mentionné au chapitre 13, verset 9. Voyez aussi ça dans Proverbes, chapitre 20, verset 20. Et Proverbes 24. Verset 20. Comme vous voyez, il y a beaucoup de parallèles et qui vont toujours dans ce sens-là, premier sens-là de la loi. Mais ce n'était pas le seul sens. Il y a beaucoup d'autres représentations. Mais c'est intéressant. On continue. Tournez avec moi dans 2 Samuel 21. Allons voir une autre représentation de la loi. Et vous allez voir, l'esprit s'en va quelque part avec ça. Ça peut paraître. Ça peut pas paraître, mais vous allez voir. L'esprit s'en va quelque part avec ça. Dans 2 Samuel, chapitre 21. Voir une autre représentation de la lampe. 2 Samuel 21, on va lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 17. Là, on recule encore dans le temps et on se transporte au temps du roi David. Roi David qui était un roi guerrier. Roi David qui n'était pas un roi qui restait sur son trône pendant que ses troupes combattaient, habituellement. C'est un roi qui était à la guerre avec ses troupes, il était en avant avec eux autres, puis il était au combat avec eux autres. On voit ici, dans 2 Samuel, chapitre 21, verset 15, il nous est dit que les Philistins firent encore la guerre à Israël, comme c'était coutume à l'époque du roi David, entre autres. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 sicles d'airain. Et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Donc, il a sauvé son roi. Hein? Il a sauvé son roi de la mort.
Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » On va arrêter ici. La lampe aussi, à l'époque, pouvait représenter quelqu'un d'important. Lorsque quelqu'un était un guide, un conseiller, quelqu'un vers qui on allait pour connaître, pour avoir des réponses à nos questions, pour peut-être avoir un jugement sur une interrogation ou sur une cause qu'on voulait, un roi était considéré comme une lampe pour son peuple. Il apportait, d'une façon représentative, une lumière. Il apportait une lumière, il était considéré comme une lampe. Et donc, ces gens ont dit au roi, ils ont dit, là, c'est fini de sortir avec nous autres, parce qu'on ne veut pas te perdre, on ne veut pas que tu éteignes la lampe d'Israël. On ne veut pas que tu meures, en d'autres mots. Parce que ça aurait été une catastrophe de perdre le roi, surtout David, qui était très aimé comme roi. Mais il y a eu d'autres personnes dans la parole qui ont été comparées à des lampes. Entre autres choses, Jean le Baptiste a été comparé à une lampe par notre Seigneur Jésus. Hein, vous voyez ça dans Jean 5, verset 33, verset 35. Pas besoin d'y tourner. Où le Seigneur disait que à ceux qui étaient là, il dit, vous êtes allés vers Jean, qui était comme une lampe, parce qu'il était comme une lampe qui brille dans la nuit, puis vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière, disait le Seigneur. Hein? Jean était considéré comme une lampe parce que Jean était convaincu, convaincant, il avait de la prestance, il parlait avec autorité, et il était un guide, il était comme un guide, et les gens venaient à lui pour se sentir bien, pour se réjouir, il aimait ce qu'il entendait. Il était comme une lampe qui brillait, et les gens allaient à lui. Et c'est ça que le Seigneur disait, hein? vous avez voulu vous réjouir à sa lumière. Il était comme une lampe. Mais tournons dans Matthieu chapitre 5, et on va voir que Jean n'était pas le seul que le Seigneur considérait comme une lampe. Et ça va nous rappeler quelque chose, parce que ça, on a lu ça souvent. Pour la plupart, probablement. Dans Matthieu, chapitre 5. Matthieu, chapitre 5, verset 14 au verset 16. Qui est-ce que le Seigneur considère aussi comme une lampe? Le Seigneur disait, « Vous êtes à ceux qui écoutaient sa parole, vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Parce qu'autrement dit, être sous le boisseau, ça serait comme cacher sa lumière. Hein? Puis le Seigneur, logiquement, si on se met dans la logique de l'époque, n'allumait pas une lampe pour ensuite la cacher. Au contraire, elle ne servait pas à ça. Elle servait à produire la lumière. Et donc, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, parce que c'est à ça que ça servait. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Aux yeux du Seigneur, tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont entrepris une relation avec Dieu à travers Jésus-Christ, qui font partie de son Église, sont des lampes qui brillent dans un monde d'obscurité. Dans un monde de ténèbres. Pourquoi? Parce qu'elles reflètent la volonté de Dieu. Ceux qui ont entrepris une relation avec le Seigneur vivent selon les voies du Seigneur, marchent selon les commandements du Seigneur, ce qui est contraire à la tendance du monde, parce que c'est le malin qui domine sur le monde, la Bible informe même sur ça. Et donc, ainsi, ils diffusent une lumière, ils diffusent la connaissance de Dieu qui est comparée à une lumière dans un monde obscur. Nous sommes, pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent une vie selon Dieu, des lampes. Le Seigneur nous dit, nous sommes des lampes qui brillent dans une maison d'obscurité, qui est le monde. Si vous le lisez pendant la semaine, dans l'Ancien Testament, on voyait aussi une autre comparaison avec la lampe, qui était un fils. Lorsqu'un homme avait un fils pour continuer sa lignée, ce fils était considéré comme une lampe. Vous pourrez voir ça dans 1 Roi 15, verset 4. Ceux qui veulent aller extrapoler, qui veulent étudier plus. 1 Roi 15, verset 4, voyez ça. Et dans le psaume 132, verset 11 et verset 17 aussi, vous le retrouvez. Allons voir autre chose. Dans Luc, chapitre 11, allons voir autre chose. Comme vous voyez, il y a beaucoup de représentations, puis tant que
l'esprit ne nous arrête pas sur ça, on peut passer dessus, puis on ne s'y arrête pas, on ne s'y attarde pas. Mais quand ça nous est ciblé, puis que vraiment on prend le temps de s'y attarder, il y a beaucoup de belles choses à aller retrouver dans ça. On voit une autre chose dans Luc chapitre 11, à partir du verset 33 au verset 36. Où le Seigneur disait dans ses enseignements, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché. » Là, on reprend un peu ce qu'on a vu dans Matthieu. « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbre. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » On va arrêter ici. Hein? Ici, on peut y voir un double parallèle. On peut voir premièrement un parallèle physique, mais surtout un parallèle spirituel. Parce que physiquement, quand tu es aveugle, tout est noir. Tu entends, tu sais ce qui se passe autour de toi, à moins que tu sois vraiment malchanceux, que tu sois aveugle et sourd en plus. Mais habituellement, si tu es aveugle, mais que tu vois, que tu entends, bien, tout est quand même dans les ténèbres. Hein? Tu ne vois pas de lumière, parce que tu ne vois. Les yeux sont la lampe du corps, parce qu'à travers les yeux, on voit la lumière du soleil, on voit le ciel, on voit ce qui nous entoure, et ça l'éclaire le corps. Les yeux, selon la psychologie, les yeux sont la porte principale du corps parce qu'on a des sens, mais le sens, on avait déjà touché à ça. Le sens qui est le plus important pour l'être humain, selon un sondage que j'avais vu quelque part, je vous en avais déjà parlé, si quelqu'un voudrait perdre un sens, lequel il choisirait, ou qu'il voudrait surtout pas perdre, c'était majoritairement, on veut pas perdre la vue. Il y en a qui étaient prêts à perdre l'odorat, il y en a qui étaient prêts à perdre l'audition, mais le toucher, mais pas la vue. Ça, c'était très majoritaire. Les yeux, c'est important. Les yeux sont la porte principale du corps. Parce que ce que les yeux regardent vont influencer notre esprit et vont influencer notre cœur. Ça va produire des pensées et ça va produire des sentiments, des émotions. Et donc, le Seigneur parlait ici de prendre garde à ce que tu regardes. Parce qu'il peut y avoir des choses que tu regardes qui vont produire de mauvaises pensées ou qui vont produire de mauvais sentiments. Et quand le Seigneur parle d'un corps qui est dans les ténèbres, c'est autrement dit, pour celui qui est né de nouveau et que l'Esprit de Dieu habite en lui, c'est comme sa lumière, c'est comme la lumière. Et si on ne vit pas selon les voies de Dieu, qu'on regarde des choses qu'on ne devrait pas regarder, pendant une certaine période, qu'est-ce qu'on fait? On atténue la lumière qui est en nous. On lutte contre le Saint-Esprit. On atténue la lumière qui est en nous. Et le Seigneur disait, prends garde, parce que si la lumière qui est en toi devient ténèbre, qui serait comparable à quelqu'un qui est égaré loin du Seigneur, vous savez que la parole nous parle de ne pas attrister l'Esprit, de ne pas éteindre l'Esprit, de ne pas outrager l'Esprit. Ça, j'avais déjà prêché ça il y a très longtemps, c'est des étapes. Mais on ne va pas là-dessus, c'est pas là que l'Esprit s'en va ce matin. Mais ça serait comparable, une lumière qui devient ténèbre chez quelqu'un serait comparable à ce que l'action du Saint-Esprit soit tellement atténuée qu'elle soit devenue nulle, on pourrait dire, en quelque sorte. Et le Seigneur disait, si la lumière qui est en toi devient ténèbre, combien grandes seront tes ténèbres? Ça, c'est écrit à un autre endroit sur le même sujet. Donc, intéressant. Donc, la lampe, Seigneur la compare aux yeux, une partie du corps. Mais on voit dans un autre endroit que la lampe aussi peut être comparée à autre chose. Dans les Proverbes, il était dit, « Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. » Vous voyez ça dans Proverbes 20, verset 27. Hein, le souffle que Dieu nous a donné à chacun. Parce que si nous respirons, c'est grâce au souffle de vie que Dieu nous a donné. Et comme il est dit dans Job, je ne me souviens plus quel endroit, mais c'est lui qui en parle, si Dieu décidait de retirer son souffle, toute chair périrait en un instant. La Bible est claire là-dessus. Notre souffle ne nous appartient pas. On pense le contrôler parce qu'on respire, on contrôle notre respiration.
Mais si Dieu décide de le retirer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien y faire. Parce que c'est Dieu qui a le contrôle sur ça. Et ce souffle est considéré comme une lampe. Considéré comme une lampe de Dieu. Allons voir un dernier sujet. Avant de conclure, un dernier sujet. Et c'est le sujet le plus, je dirais, qu'on connaît le plus dans la parole, la comparaison qu'on connaît le mieux. Dans le psaume 119, si vous voulez tourner avec moi, ça va être un dernier sujet qu'on va voir avant de conclure. Dans le psaume 119, je dirais que c'est la représentation qu'on connaît le mieux et qui pourrait nous interpeller le plus. Qui pourrait nous interpeller le plus. Dans le psaume 119, moi j'aime bien, quand je lis le psaume 119, je vous l'avais déjà expliqué, hein, c'est un grand psaume de David, le psaume le plus long de David, qui est divisé selon l'alphabet hébreu. Chaque lettre a 8 versets, et j'aime bien lire une lettre en entier, pas juste une partie, quand je le peux. Et donc on va lire la lettre qui s'appelle la lettre Nun, N-U-N. C'est la lettre Nun, une lettre qui est une lettre de l'alphabet hébreu. Et le verset commence au verset 105. Et vous allez voir, ça donne le ton. Ça donne le ton. Où David dit, ta parole, en parlant de la parole de Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je jure, et je le tiendrai, d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie, selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime, et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. On va arrêter ici. C'est beau ça. Mais David donne le ton au début de cette lettre, la lettre Nun, où il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ça, on a certainement déjà entendu ça auparavant, que la lampe est comparée à la parole de Dieu. La parole de Dieu est une lampe. Et on a certainement entendu aussi ce qui joint cette image, que le Saint-Esprit représente l'huile qui est dans la lampe, et c'est le Saint-Esprit qui donne la lumière à travers la parole. C'est grâce à l'Esprit qu'on comprend la parole de Dieu et qu'elle devient pour nous une lumière qui nous éclaire, qui nous guide dans cette vie. Parce que l'apôtre Jean le dit clairement, sans équivoque, et il n'est pas le seul à l'avoir dit, que le monde est dans la puissance des ténèbres et qu'il est sous la domination et sous la puissance du diable. Ça, c'est clairement dit, vous voyez ça dans 1 Jean 5, verset 19. Clairement dit, puis il y en a d'autres endroits qui en parlent aussi. La parole de Dieu est la seule véritable lumière qu'il y a dans ce monde. Et frères et sœurs, ce monde de ténèbres pouvait peut-être pas nous paraître si ténébreux, mais je peux vous dire que depuis 2 ans et quelques, on a vu à quel point il est ténébreux. Parce que ce qui était autrefois dans le mystère, dans l'obscurité, a paru à la lumière, et ceux qui sont pour le diable se sont clairement manifestés pour ceux qui le voient. Et ça ira pas en s'améliorant, comme on peut le voir avec ce qu'on en entend et ce que la Bible aussi nous en parle, parce qu'on ne peut pas échapper aux prophéties de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu demeure cette lampe, elle demeure cette lumière qui nous éclaire, qui nous fait voir la vérité, qui nous fait voir ce qui est autour de moi, autour de nous, et qui nous permet de marcher sans trébucher dans cette vie, de demeurer selon les voies de Dieu. Elle permet de discerner la volonté de Dieu. Comme l'apôtre Paul le disait si bien, ce qui est bon, agréable et parfait, comme il le disait à un autre endroit. On voit que Salomon disait dans les Proverbes, « Car le précepte, qui est l'enseignement, le précepte est une lampe, et l'enseignement une lumière, et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. » Voyez ça dans Proverbes 6, verset 23. Parce que c'est ce que Dieu fait à travers sa parole. Dieu, à travers sa parole, il nous donne des préceptes, il nous enseigne. Il nous enseigne, il nous donne des instructions, il nous donne des avertissements, il nous donne des exhortations. Toutes sortes de choses qui servent à nous conduire dans cette vie. Et ça, c'est une lampe. Pour nous, c'est une lampe. Et c'est la lumière qu'elle dégage. On voit que l'apôtre Pierre, et c'est très utile, ça a toujours été utile pour savoir les époques où on était rendu, mais c'est encore plus utile de nos jours, c'est autant, je dirais, plus utile pour savoir l'époque dans laquelle on est rendu. Et l'apôtre Pierre disait,
Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis... attendez, non, j'ai comme précédé, j'ai comme sauté trop loin. Je vais aller chercher le bon endroit. Oui, l'apôtre Pierre disait, « Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique auquel vous faites bien de prêter attention, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, qui est représentant le Seigneur, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez donc, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un sujet ou un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Parce que le monde dit quoi? En pensant ce que j'ai lu, oui, des fois je peux oublier, 2 Pierre, chapitre 1, j'ai lu verset 19 au verset 21. Verset 19 au verset 21. Pourquoi? Parce que le monde, comme je l'ai mentionné dernièrement, la réplique la plus simple pour le monde, c'est de dire « Ben, ce livre-là a été écrit par des hommes. » Mais ce qu'il oublie de rajouter, c'est « inspiré de Dieu ». Puis c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'il y en a bien des livres qui ont été écrits par des hommes. Le bouddhisme, le manuel pour, je ne m'en rappelle plus le nom des écrits qu'ils utilisent, les bouddhistes, mais c'est écrit par un homme, Bouddha. Pareil pour l'islam. L'islam, ça a été écrit par un homme. Non, mais j'en avais déjà parlé, ça, le dimanche que j'étais pas ici, comment que la parole de Dieu, elle est particulière et se distingue de tous les autres livres. Mais c'est pas un livre qui a été écrit par des hommes, point. C'est un livre qui a été poussé par l'Esprit de Dieu, inspiré de Dieu, et que des hommes ont simplement répertorié par écrit ce que l'Esprit a donné. C'est pour ça que ce livre-là est particulier. Et ce livre-là, et ces prophéties qu'il contient, prophéties qui sont, comme je le disais, très d'actualité dans l'époque qu'on vit aujourd'hui. J'écoute plusieurs influenceurs et j'en entends souvent citer des versets de la Bible qu'ils ne comprennent pas totalement, mais ils sont quand même assez allumés pour voir qu'ils s'appliquent, mais ils ne les comprennent pas dans leur pleine portée. Mais ils voient quand même que ça s'applique, parce qu'il y a quand même une certaine intelligence. Il y a certaines bases qu'on peut comprendre quand même avec notre intelligence. Mais ça prend l'esprit pour voir la profondeur de toutes ces choses-là. Et ça, il faut être à Jésus, il faut être venu au pied de la croix, il faut avoir reçu Jésus comme son sauveur pour avoir ça. Pas tout le monde qui a ça. Mais ces prophéties-là sont une lampe. Elles sont une lampe qui brille dans un lieu obscur, disait l'apôtre Pierre. Puis il avait raison de dire ça. Il avait raison de dire ça. Et c'était ce que l'esprit voulait nous dire ce matin. Comme vous avez vu, on a parti d'un endroit, on a parti de où que le Seigneur nous a parlé depuis quelques messages, de cette femme qui est comparée à comment que le Seigneur dévoile son cœur et qui démontre comment il aime les âmes perdues, puis comment que pour lui, il veut les trouver. Il veut trouver ces gens-là qui lui appartiennent. Parce que la Bible nous dit une chose qui est sûre et certaine, c'est que nous sommes prédestinés. Dieu nous connaît. Dieu nous connaissait avant que le monde soit, et Dieu sait si on est destiné à la vie éternelle ou non. Autrement dit, Dieu sait si on va l'accepter dans cette vie ou non. Il savait ça avant même de nous créer. C'est quelque chose qui dépasse l'imagination. Mais Dieu savait qu'on allait le recevoir un jour. Nous, on ne le sait même pas nous-mêmes jusqu'à ce qu'on soit visité par le Seigneur. Mais le Seigneur le sait d'avance, lui. Et le Seigneur vient chercher ces gens-là. Il donne à tous, tout est accessible à tout le monde. Mais ceux qui sont prédestinés, que Dieu sait qu'ils vont le recevoir, bien, l'opportunité leur est donnée comme à tous, et ces gens-là, bien, Dieu le sait, ils viennent. C'est de là que vient le terme de la prédestination selon la parole, qui n'est pas, je dirais, injuste, parce que c'est simplement reposé sur le fait que Dieu sait tout d'avance. Dieu sait tout d'avance. Et c'est de là que le Seigneur nous parle, puis il nous cherche. Il nous cherche, puis il nous amène à lui, par la suite. Et on a vu que c'est avec cette lampe que cette femme, dans la parabole de notre Seigneur, puis trouver sa drague. Et comme on voit, cette lampe, elle peut représenter beaucoup de choses diverses dans la parole. Mais surtout, le dernier point nous interpelle, c'est qu'elle représente la parole de Dieu elle-même. Et on a besoin de cette lampe dans cette vie. Et on ne peut pas conclure sans aller dans cette parabole qui, vraiment, j'arrête pas de la citer, les gens de l'Église le savent. On va aller dans Matthieu 25 et on va conclure avec cette parabole. Parce que les lampes sont le principal objet de cette parabole-là, dans Matthieu 25. Dans Matthieu, chapitre 25. Matthieu
Matthieu chapitre 25, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Parabole de notre Seigneur. Une autre, le Seigneur en a donné beaucoup. Mais vous allez vous y reconnaître. Vous avez toutes déjà lu sûrement plusieurs reprises. Matthieu chapitre 25, dans les premiers versets, on débute au verset 1. Où le Seigneur disait, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » On va voir pourquoi. « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre! » Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Et vous allez voir pourquoi, on va expliquer tout ça. Et les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » On arrête ici. Cette parabole-là, frères et sœurs, au temps où nous sommes rendus, elle est tellement, mais tellement d'actualité. Parce qu'on est, et je ne suis pas le seul à le dire, on est dans un temps où le cri de minuit se fait entendre. On est dans un temps où les vierges qui représentent les chrétiens de par le monde étaient assoupies. Et on a été un temps très ailé, très actif, mais avec le temps, comme toute chose, comme l'être humain est faible, bien avec le temps, on ralentit le rythme, puis à un moment donné, bien on se met sur le cruise, hein, comme sur l'autoroute, on se met sur le cruise, puis... On navigue comme ça, tout semble bien aller. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose qui nous saisit, puis on dit « Wow, OK, il faudrait bien que je pèse sur le gaz un peu, là. » Bien, ça, c'est le cri de minuit, puis on l'a entendu, le cri de minuit. On est dans le temps où, là, les vierges se réveillent, et que là, les vierges, ils dépoussièrent leurs robes, hein, puis ils s'assurent que leurs lampes soient allumées. On va s'attarder beaucoup là-dessus, pour conclure. Ils s'assurent que leurs lampes soient allumées. Pourquoi? Parce qu'autrefois, on allumait la lampe pendant la nuit. Lorsque la nuit venait, lorsque la pénombre tombait, le jour, la lampe ne servait pas à grand-chose. On pouvait servir si tes volets étaient fermés dans la maison, mettons, là, puis qu'il faisait noir. Mais sinon, on ouvrait les volets. On ouvrait les volets, on ouvrait les fenêtres. Puis... Quoi qu'il n'y avait pas de vitre, là, mais on comprenait, les volets, c'est comme des battants. On ouvrait les volets, puis on pouvait voir dehors. Donc, la lampe dans la maison était plus ou moins utile. Mais la nuit, on s'assurait toujours d'avoir au moins une lampe allumée dans la maison. Puis, il fallait s'assurer qu'elle soit préparée pour allumer toute la nuit, justement. Parce que si tu avais besoin de te lever au milieu de la nuit, puis tu n'avais pas préparé ta lampe, puis il faisait noir comme, loup, comme sur le loup, comme on dit en bon québécois, dans ta maison, bien, préparer une lampe dans le noir, ça ne devait pas être évident. Fait que, c'est comme nous, chez nous, on a toutes des veilleuses. Hein? Nous autres, c'est facile, on branche ça dans le mur, puis il y a même des détecteurs de jour, de nuit, ça s'allume tout seul quand il fait noir, si tu veux. Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien de ça. Dans ce temps-là, il fallait préparer au moins une lampe, on s'assurait qu'on ait assez d'huile pour la nuit, puis on l'allumait, puis on la laissait quelque part, puis ça faisait une petite pénombre dans la maison, une petite lumière, comme ça, si quelqu'un avait besoin de se lever, mais il voyait où il s'en allait, il pouvait prendre la lampe, puis s'en aller où est-ce qu'il voulait aller. Il faut se remettre dans l'esprit de l'époque. Et ça, la Bible nous en parle de ça, de ce besoin-là de s'assurer que la lampe reste allumée durant la nuit. Et dans la femme vertueuse, c'est mentionné ça. Parce que la femme vertueuse, elle nous est décrite comment? Elle nous est décrite comme une femme qui était à son affaire, comme on dit encore en bon québécois. Une femme qui s'occupait bien de sa maison, qui s'occupait bien de son foyer, elle avait des projets, amenant des choses, elle était vraiment très dynamique, cette femme-là. Elle n'était pas toute seule, elle avait des servantes aussi, ça, il faut se souvenir de ça. Parce que quand on regarde la femme vertueuse, on dirait qu'elle est une Wonder Woman. Je ne sais pas si ça n'était pas une, mais elle avait de l'aide. Mais bon, qu'est-ce qu'il dit à propos juste de ce point-là? Il dit, elle ceint de force ses reins, et elle affermit ses bras, elle sent que ce qu'elle gagne est bon, et sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Est-il dit dans Proverbe 31, verset 17 et verset 18. Sa lampe ne s'éteint pas dans la nuit.
Il y en a qui m'ont déjà dit, ben c'est parce qu'elle veillait tard. Oui, mais elle avait besoin de dormir comme tout le monde un moment donné. Fait, oui, on peut le prendre de même, mais en même temps, ça réfère aussi à l'esprit d'époque qu'il fallait une lampe allumée au moins toute la nuit dans la maison, si le besoin était de se lever. Et nos vierges qu'on voit ici, ben il y en a qui ont été sages. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les femmes avec leurs robes, ils pouvaient avoir une genre de dentelle, je dis dentelle, mais ça ne doit pas être de la dentelle, une genre de petite ceinture fine. Puis les lampes, là, les vases d'huile, là, c'était pas, pensons pas une grosse cruche comme à deux mains. Il y avait des petites cruches de rien qui, par la hanse, pouvaient être attachées à la ceinture. Tu vas en avoir deux, trois après ta ceinture. Puis ces cruches-là avaient toutes de l'huile dedans. Tu pouvais avoir de l'huile dedans. Comme ça, elle pouvait s'en aller avec ses petites cruches et avec sa lampe. Puis elle en avait de la réserve. Et c'est ça qui se passait, là. Mais qu'est-ce qui arrive? Il nous est décrit que cinq de ces femmes n'avaient pas cru bon de prendre d'huile de réserve. Elles s'étaient dit, on n'en aura pas pour longtemps. Les lampes vont rester allumées. Ce que j'ai dans ma lampe va être en masse. Le réservoir va contenir en masse. Sauf qu'on ne sait pas l'avenir. Et la Bible nous dit quoi? Elles se sont toutes assoupies et endormies. Parce que ça a été long. Mais pendant qu'elles se sont assoupies et endormies, pensez-vous que leurs lampes se sont éteintes? Non. Non. La Bible nous dit que quand ils se sont levés, ils ont préparé le lampe. Autrement dit, hey, faut en remettre dedans, là. Faut mettre de l'huile dedans parce que là, les lampes vont s'éteindre. Puis c'est ça que les Paul ont dit. Notons ce que les Paul ont dit. Les vierges qui sont considérées Paul ont dit, donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont jamais arrêté d'être. Ils étaient toujours allumés. Comme ils étaient de coutume, ils étaient toujours allumés. Sauf que là, ils allaient s'éteindre parce qu'ils n'avaient pas amené d'huile avec eux autres. Tandis que les vierges sages, eux autres, ils avaient pris des petites réserves, ils avaient pris des petites cruches qu'ils avaient attachées sur eux autres et qu'ils avaient avec eux autres. Ils ont pu remplir leurs lampes et s'assurer que le restant du chemin puisse être éclairé pour se rendre. Et on ne connaît pas la distance de où qu'ils étaient jusqu'à la salle des noces, jusqu'à l'endroit où l'époux était. Mais ils en ont eu assez pour se rendre jusque-là, lorsqu'ils ont entendu la voix d'époux et lorsqu'ils ont su que l'époux était là, qui les attendait. Et ce sont ceux qui étaient prêtes qui ont rentré dans la salle des noces. Et ça veut dire énormément de choses. Les vierges folles sont comparées à ces chrétiens qui se sont détournés du Seigneur, un peu comme on a parlé tantôt, qui se sont détournés du Seigneur et qui sont retournés vivre comme le monde et qui ont atténué l'action du Saint-Esprit. L'huile est venue qu'à manquer. Et ces gens-là qui prennent à la légère la grâce de Dieu, ben, ils vont manquer quelque chose un jour. Celles qui se sont préparées, qui ont l'huile dans leur lampe, eux ne manqueront pas ce qui s'en vient, l'enlèvement de l'Église, d'être avec le Seigneur. Et ça, c'est grand à comprendre. Et d'ailleurs, on va conclure complètement, la conclusion est longue, j'en conviens, mais faites juste écouter, et ça va mettre le ton, le Seigneur va mettre le ton, pour dire un saut sur ce qui a été dit ce matin, et surtout ce point-là. Le Seigneur disait, et c'était l'avertissement du Seigneur avant qu'il souffre, que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes, on pourrait dire à des hommes et des femmes, qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et il s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, ça c'est pendant la nuit, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. Ce que je vous ai lu, c'est dans Luc 12, verset 35 au verset 38. C'était ce que l'Esprit venait nous dire ce matin. C'est de notre responsabilité, si on garde surtout la dernière exemple, la dernière représentation, il est de notre responsabilité de garder nos lampes allumées. Mais pour avoir une lampe, il faut premièrement connaître Jésus et venir au pied de la croix. Sinon, ben, tu n'as pas de lampe, puis tu n'as pas d'huile en plus. Mais si tu viens au pied du Seigneur, puis que là, tu as ta lampe, et que l'huile est là, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu deviens un enfant de Dieu. Bien, à partir de ce temps-là, ta lampe est allumée, et là, tu pars, tu fais ton chemin. Tu fais ton chemin avec ça. Mais c'est de notre responsabilité que notre lampe reste allumée. Ça, Dieu ne fera pas notre place. Dieu a tout mis à notre disposition. On a la lampe, on a l'huile. C'est à toi de veiller à ce qu'il y en a. Et ça, c'est dans notre relation avec Dieu. Plus que tu entretiens ta relation avec le Seigneur à travers la lecture, la prière, la méditation,
plus que ta lampe est toujours continuellement allumée, continuellement remplie d'huile, et ta lumière, la lumière se diffuse, et tu reçois des belles révélations du Seigneur, tu reçois des belles choses du Seigneur, et il t'avance comme ça, chemin faisant. Parce que le cri de minuit s'est fait entendre, et le Seigneur est proche. »